Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Créas de Dory. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer du coup un unboxing du marchand MTEN. J'avais déjà fait une commande chez eux au mois de juillet, que j'avais reçu au mois de juillet. Donc ça, c'est une commande que j'ai fait début août et du coup que j'ai reçue hier. Et un haul Action, 2-3 achats que j'ai fait à Action. Et ça, c'est un colis AliExpress que j'ai reçu. Mais j'avais pas fait l'ouverture parce qu'il était tout seul et ça nécessitait pas une vidéo. Alors, on va mettre tout sur le côté et je vais commencer du coup par ça. Donc ça, c'est pour décoller en fait les... Je vais vous montrer. C'est pour décoller les diamants, vous savez, quand ils sont collés et qu'on n'arrive pas à les enlever. Du coup, on les met dedans. Donc, je vais vous montrer, donc c'est plein de petits picots en fait, c'est monté, du coup on les met à l'intérieur, on ferme et on fait tourner et du coup vu que ça se croise en fait ça permet de décoller les diamants. Donc quand je ferai un diamant de painting, je vous montrerai comment ça fonctionne. Et ensuite il y a une autre petite partie, alors est-ce que je vais réussir à ouvrir, qu'on peut ouvrir. Là, donc là, il n'y a pas de picot ni rien, mais ça peut servir du coup de poubelle. Donc voilà. Pour le... Alors, je n'ai plus le nom en tête, bien évidemment. Mais du coup, je vous mettrai le lien dans ma bio. Alors, pour Action, j'ai racheté une petite boîte. Donc là, elle fait, comme vous pouvez voir, elle fait la taille de ma paume. Du coup, elle est toute petite. C'est pour me servir de poubelle, en fait, pour mettre tous les diamants qui sont mal taillés, cassés, les détritus qu'il y a dans les sachets, des choses comme ça. Et pour mettre, par exemple, les papiers des DP, là, qui permettent de couvrir. Alors, autrement, j'ai acheté un petit carnet. Donc c'est les petits carnets Action et en fait c'est du papier un peu cartonné parce que comme vous savez j'ai des feutres à alcool que je peux pas utiliser avec mes sur la plupart de mes coloriages et du coup ça me permettrait de faire des petits dessins en fait, de reprendre un peu le dessin. Donc je verrai, je vous les mettrai dans des vidéos bilan quand j'en aurai fait. Donc voilà, je vais vous mettre sur pause parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre un ciseau. Voilà, donc on va commencer par... on va continuer avec le colis AliExpress. Donc là, vous pouvez voir que là, il y a un... si je vous montre là, voilà, là. C'est un lapin et elle s'appelle Jenny. Donc vous les voyez souvent sur mes vidéos parce qu'en fait, là derrière, donc c'est un peu le bazar parce que j'ai pas encore balayé. C'est leur petit coin avec les litières et les gamelles. Du coup, ce matin, ils ont décidé de dormir ici. Donc je vous ai pas dit quel jour on est, donc on est mercredi. Alors... J'espère que vous ne voyez pas mon adresse. Non, c'est moi de ce côté-là. Parce que j'ai pas... Enfin, je vous fais la vidéo à l'arrache, on fait vite fait. Avant de partir pour pouvoir vous la publier mercredi. Donc aujourd'hui, on est mardi. Je ne sais pas. Alors, nous sommes mardi 25 août. C'est ça. On est mardi 25 août. Comme ça, voilà. Donc le colis est visiblement passé par la douane. Avec le petit scotch jaune. Donc je vous disais, donc c'est le marchand MTEN, c'est le marchand qui fait les petites toiles avec des arbres. Donc j'avais fait déjà une ouverture voici, où je m'étais trompée de diamant et j'avais commandé des ronds à la place des carrés. Mais du coup c'est une erreur pas très grave dans le sens où j'ai l'intention de faire une vidéo entre les ronds et les carrés, on va dire ça comme ça. Vous aurez la surprise quand j'aurai tourné la vidéo. Mais voilà, alors j'ai commandé deux petites toiles. Donc je vais d'abord vous montrer les toiles. Et ensuite en off, je compterai les diamants. Et après, je vous dirai si j'ai bien tout. Alors donc c'était avec ces toiles-là. Donc là, l'extérieur, elles sont bien plates. Elles n'ont pas l'air d'avoir eu de soucis. Donc c'était ces toiles-là où j'avais eu quelques... certaines des toiles qui avaient des rivières, le scotch décollé et tout. Alors qu'il y a plein de youtubeuses qui... Pas plein, il y a 2-3 youtubeuses que je connais, que je regarde, qui avaient reçu ces marchands, qui n'avaient jamais eu de soucis. Donc du coup, je me suis dit, je vais recommander chez lui, vu que je voulais avoir toutes les... En fait, mon but, ce serait d'avoir toutes les petites toiles avec les arbres. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je les trouve trop mignonnes. Du coup, à faire, ça doit être sympa. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais retenter et on verra bien si... Si c'était juste la première commande où il y a eu un souci à la livraison ou pas. Alors du coup, c'est le tout le kit avec la coupelle blanche. Donc elles sont très bien taillées, pas du tout abîmées.
Donc il y a deux petits stylettes. Donc un avec un embout de 3 et un avec l'embout de 9 ou 10. Je sais pas si vous voyez, donc voilà. Donc il y a un grand pain de colle et quelques sachets à l'intérieur. Donc voilà, du coup j'en ai deux. Faudrait que je trouve quoi en faire parce que ça fait quand même beaucoup de coupelles et, trucs comme, et de stylettes alors que j'en ai pas besoin. Alors, on va ouvrir les deux toiles. Je vais mettre celle-là là. Alors, donc la première, je pense que c'était ouais, c'était la... Ah, s'il y a une petite rivière, mais il y avait la... qui était décollée. Sinon, elle est très bien. Ah, quoique, là, j'ai une autre petite marque. Ah non, j'ai deux, trois rivières. Ah non, c'est vraiment pas de peau. Alors, je suis maudite, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas gênante. Elles sont vraiment pas gênantes. Du coup, je pense pas que je vais faire un litige parce que la dernière fois, j'ai fait un litige sur les 3 ou 4 toiles et j'ai demandé remboursement total et je l'ai eu. Donc là, c'est pas la peine de faire. Donc vous voyez, elles paraissent plus grosses à la vidéo, mais elles sont vraiment petites en fait. Donc c'est le chat. Donc, je vais vous montrer l'image là derrière. Donc c'est le chat. L'arbre avec le chat bleu. Il est superbe. Celui-là, je pense que je le donnerai à mes parents quand je l'aurai fini. Donc en carré. Ouais non, c'est des petites rivières en fait sur le long, mais parce que c'était un peu décollé le... La toile n'est pas abîmée en soi, mais c'était ça en fait, il y avait une petite bulle d'air. Donc je pense que quand ils ont mis, c'était pas... Ils ont fait ça à la va-vite. C'est donc... Oh non. Donc voilà, du coup moi... Non c'est bon. Donc on va refermer et on va ouvrir l'autre. Il y avait un élastique autour et c'était surtout l'élastique qui avait abîmé. Là, il n'y en avait pas. Donc, je sais pas. Mais ça fait comme. En fait, la toile, là, il y a une. En fait, c'est là où il y a les rivières. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça. Sinon, elle est pas. C'est vraiment à cet endroit-là. Que je pense que ça a fait des bulles d'air, en fait, tout simplement. Ouais, c'est là. Là, il y a une. Là, c'est bon. Voilà, et on va ouvrir le deuxième. Donc, en espérant qu'elle soit quand même en bon état. Donc là, c'est un arbre multicolore qui fait printemps un peu. C'est des fleurs, ouais. Des fleurs multicolores. Je me demandais si c'était une petite pierre qui est trop jolie. Ça me fait penser un peu à mon travail parce que quand je travaillais, en fait... Je suis spécialisée, on va dire. Je suis ergothérapeute, mais essentiellement auprès de la population gériatrique. Donc, c'est les personnes âgées. Et moi, mon... Ah, là, mon avis, il n'y aura plus d'air. J'aime beaucoup travailler, en fait, dans les pôles d'activité, des choses comme ça. Parce que, tout simplement... Ah, bah, décidément, j'ai vraiment pas de chance. Ouais, non, c'est... et en fait, souvent, au changement de saison, on fait... Donc un mur en fait, le mur des saisons, et on le change en fait, on change la déco de ce mur en fonction de la saison. Et du coup au printemps on met plein de fleurs colorées, des choses comme ça en fonction de... En fait je suis en... Enfin j'ai fait que des remplacements actuellement, mais dans la plupart des pôles d'activité en fait j'ai instauré ça et ça plaît beaucoup aux résidents d'avoir un mur décoré avec la saison en fait du moment. Donc là, il y a juste une rivière là, une rivière là. Eh, mais j'ai vraiment pas de chance. Tout le monde a des toiles impeccables. Et moi, j'ai des rivières avec ce marchand-là. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Il y en a une là et une là. Mais sinon, ça va. Donc voilà, je vous montre la toile. Elle fait hyper sombre. Mais les diamants sont beaucoup plus colorés. Hein. C'est ça qui est rigolo parce que c'est une toile hyper colorée normalement et là avec les symboles elle est hyper sombre. Donc là il y a juste une grosse toile, grosse rivière entre guillemets. Et il y a quelques petites autour en fait, c'est parce que la toile elle est gondolée. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est dû au
au bulle d'air en fait qui fait gondoler la toile et du coup ça crée des rivières, je ne sais pas. Mais moi j'ai vraiment pas de pouf. Bon après c'est des petites rivières, en soi ça gêne pas. Donc comme je vous disais, j'avais déjà fait un litige pour les autres toiles et j'avais eu remboursement total. Donc là je vais pas faire de litige. J'ai juste bien les remettre. Voilà. Je vais vous laisser, je vais compter les diamants et je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Donc, les diamants sont complets. Donc, pour les deux toiles, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont l'air très bien taillés. Donc, c'est la toile multicolore. Et les couleurs, en fait, sont très pastel et tout. Donc, c'est très joli. Je sais pas si vous avez mis tous les coloris. Mais franchement, je pense qu'elle va être très sympa à faire. Les diamants, j'ai pas vu de... De creux au milieu, enfin, ça n'a pas l'air d'être des diamants fond de cuve, bien taillés et tout là-dessus, pas de soucis. Et pour la toile bleue, je vais en bouffer du bleu, mais j'adore ça, donc ça tombe bien. Il y a plein de nuances de bleu et tout, c'est hyper sympa. Et ouais, non, les couleurs sont, les bleus sont très beaux, très vifs et en même temps très pastel pour certains, très foncés pour d'autres. Du coup, je pense que ça va être hyper joli comme toile. Enfin, clairement, j'ai hâte de les commencer. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne... Du coup, elle va être publiée mercredi soir. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt.